La ciudad sumergida es una exposición que reúne un número bastante significativo de obras de Ove Loet, una colagista que ha desarrollado una labor intensa en el trabajo con el collage, con el fotomontaje, desde los años 70 del pasado siglo. Vemos como al principio pues, esa actividad se inicia como ocurre siempre con este tipo de juegos surrealistas, juegos creativos, en el ámbito del hogar, en el ámbito de lo íntimo, en el ámbito, digamos, casero, como lo harían personajes como Franz Roh, por ejemplo, históricos en esta labor como colagistas. Vemos cómo, poco a poco, con el tiempo, comenzamos a ver algunas piezas de Ove Loet en exposiciones colectivas surrealistas, en varios espacios en Francia, también en Italia, y finalmente pues nosotros aquí en Tenerife, en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, pues hemos decidido en fin, realizar este proyecto, esta primera exposición que un museo realiza de su obra, de forma un tanto, digamos, no completa, no íntegra, porque es muy difícil reunir todos los collages que pertenecen hoy en día a colecciones privadas, pero sí es verdad que es una retrospectiva que da una idea cabal de ese trabajo, de esa trayectoria. Esta exposición realmente tiene un punto de unión importante, que es el encuentro con otro personaje visionario, en este caso histórico, como es la figura de Óscar Domínguez, personaje central en la colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes y uno de los protagonistas del surrealismo por mérito propio, ¿no? Vemos que hay un encuentro sin duda de mucho interés que nosotros hemos realizado, no de forma muy intrusiva. Domínguez aparece en la exposición solamente con 5 piezas, en momentos muy concretos, pero sí es verdad que hay un diálogo ciertamente interesante, precisamente por ese mundo, digamos, visionario, ese ojo, esa bola roja que se desprende de la cavidad para ver de otra manera, para encontrarnos con un mundo de ensoñaciones. Y un mundo que en el caso de Ove Loet y en el caso de Domínguez también se muestra siempre apegada a, digamos, a elementos cósmicos, a elementos lunares, a elementos de esa naturaleza que participa del mito y que bebe de un tiempo anterior a la historia, un tiempo que es el tiempo de la poesía, que es el tiempo de la naturaleza en su apogeo primero. En el caso de Domínguez vemos ese encuentro con esos elementos, especialmente en sus años 38, 39, en esa etapa, como digo, cósmica, y en el caso de Ove Loet hay una relación también interesante con estos elementos que forman parte también de un mundo céltico, un mundo primitivo a su manera, natural, de esa cultura bretona, de raíces celtas, como digo, muy ancestrales, y de las que bebe continuamente los collages de Ove Loet. Alors malheureusement, je n'ai pas eu la chance de connaître Oscar Dominguez, mais c'est un artiste qui m'a toujours intéressé et je trouve que c'est un des artistes les plus importants du surréalisme. C'était d'autre part un très bon peintre qui était capable de faire des tableaux des autres surréalistes à tel point que certains surréalistes ont signé des tableaux faits par Dominguez. Il a fait des tableaux de Tanguy, il a fait des tableaux de Picasso, il a fait des tableaux de Quirico, et les artistes avaient une telle admiration pour Dominguez que des fois ils ont accepté de signer ces tableaux comme s'ils les avaient faits eux-mêmes. Ce qui prouve vraiment que c'est un très très grand peintre. Il n'a pas encore sa place internationalement, malheureusement, mais avec la création de ce musée et toutes les expositions les unes après les autres, je pense qu'un jour, il sera à sa vraie place. Quand je dis place, je parle aussi comme marchand de tableaux, place commerciale. Normalement, un Dominguez, ça devrait valoir comme un Magritte, comme un Dali et comme un Tanguy. Et tout ça, ça va venir. Et le musée a fait des bonnes acquisitions de Dominguez à un temps où c'était à une époque encore abordable. Ça devient de plus en plus difficile pour les musées. Il faut peut-être chercher des mécènes et pas laisser passer une occasion quand un grand Dominguez passe en vente. Il faudrait que les mécènes de Lille
de Tenerife aide le musée à les acheter, comme ça se fait dans le monde entier. Je redécouvre mes collages dans ce musée de Tenerife. L'accrochage est magnifiquement bien conçu et je les redécouvre sous une autre lumière. Il y en a certains que je ne reconnais pas même. Mais je suis très heureuse que ça se passe comme ça. Et comme il y a beaucoup le thème de la mer dans mes collages, j'ai l'impression qu'ici, dans le musée de Tenerife, ils ont rejoint la mer de Tenerife. Voilà. Et la mise en scène est très belle et très sensible. Et je suis très, très heureuse. Voilà. Je fais des collages quand je rencontre quelquefois un élément qui m'inspire ou qui me touche. Et quelquefois, je fais un collage autour de cet élément ou alors j'ai une idée précise pour un autre thème. Mais ce n'est jamais un travail systématique. Je ne travaille pas 8 heures par jour ni à heure fixe. C'est toujours à travers la curiosité ou un coup de cœur. Et il faut qu'il y ait des éléments qui m'interpellent pour que je puisse développer ce que j'ai envie d'en dire. Il faut dire que le collage est vraiment au cœur du surréalisme. On pourrait d'ailleurs appeler le surréalisme un collagisme. Pourquoi ? Parce que dès 1918, par exemple, André Breton invente le poème collage et la lettre collage. Bon, par la suite, on connaît les performances de Max Ernst en matière de collage. Donc les surréalistes sont à leur aise dans le collage. Aube et Léouette Breton, c'est, je dirais, presque normal. C'est nourri du surréalisme et je crois qu'elle a vraiment trouvé sa voie dans le collage. En particulier, si je pense à ce collage qui est derrière moi, je trouve qu'il nous suggère que des sillons labourés, donc depuis la terre, ou des cartes, un jeu de cartes, est en quelque sorte ensemencé, eh bien, de ce jeu de cartes ensemencé dans la terre, va s'élever dans les airs avec le secours d'une colombe, eh bien, va s'élever d'une certaine façon l'esprit. Et ce qui caractérise le surréalisme, c'est-à-dire une certaine recherche que l'on appelle d'ailleurs la recherche du point sublime. Le surréalisme, c'est un mouvement ascendant. Dans ce collage, on voit comment, depuis la Terre, mais avec des éléments aléatoires, celui du jeu de cartes, on peut s'élever et découvrir quelque chose qui est sublime, tout simplement. Beau et sublime. Je crois, en particulier dans l'exposition, la belle exposition qui se tient au TEA, il est tout à fait normal que deux personnes qui se sont rencontrées à Marseille en 1940-41 eh bien, se retrouvent ici à Santa Cruz de Tenerife. Et ces deux personnes, bizarrement, à travers leurs œuvres, se regardent sans peut-être se connaître, puisque bien sûr, Oscar Dominguez n'a pas eu la possibilité de voir les œuvres d'Aube et Léouette Breton. Et Aube et Léouette Breton, je crois qu'elle a, comme je le disais, a été nourrie dans le surréalisme, et Oscar Dominguez est une des semences importantes qui germe, on peut le dire, dans la terre de Tenerife, mais d'une façon générale, dans le ciel surréaliste.